La Biélorusse Arina Sabalenka s'est inclinée en finale de l'US Open, samedi, face à la jeune américaine Coco Gauff. Dans les travées de Flushing Meadows, elle a passé ses nerfs sur sa raquette. Arina Sabalenka n'a pas remporté l'US Open samedi. En finale, la joueuse biélorusse, numéro 2 mondial, a cédé face à la jeune américaine Coco Gauff 2 à 6, 6 à 3, 6 à 2, âgée de seulement 19 ans. A-t-elle rendu sa raquette responsable de sa défaite ? Toujours est-il qu'après le match et la cérémonie protocolaire, dans les travées de Flushing Meadows, Sabalenka a retiré sa raquette calmement de son sac avant de la détruire méthodiquement en la frappant violemment sur le sol, puis de la jeter à la poubelle. Pour commenter sa défaite, la Biélorusse avait notamment déclaré « Au deuxième set, j'ai commencé à trop réfléchir, et j'ai perdu peu à peu ma puissance. Point. Et j'ai raté beaucoup de coups faciles. La bonne nouvelle, c'est que c'était moi contre moi. La mauvaise, c'est que j'ai encore du mal à jouer contre moi-même, je dirais sourire. » Malgré sa défaite, Sabalenka sera numéro 1 mondial lundi.